Bonne nouvelle pour le pays d'Haïti, le Canada avec les États-Unis. Finalement, je vais en tête sur ce qui a passé dans le pays là. Oui, il y a une force qui peut débarquer dans la Coupe Port-au-Prince. Mesdames, mademoiselles et messieurs, après plusieurs temps de concertation, l'envoi de troupes militaires en Haïti, la présentante ou la représentante chez la Charifus, qui c'est une parlementaire, yo, qui finalement a rencontré avec plusieurs journalistes haïtiens et américains. Hier, mesdames, messieurs, lui expliqué par la présidente du 20e district de la Floride au Congrès américain, donne son feu vert pour l'envoi des troupes militaires en Haïti. T'as semblé prêter un gros courrier dans la coupe pays d'Haïti. Puisque mes frères et sœurs et amis, bagarre apparaît mogomé assez souvent, même j'ai en pile nous connaît. Information qu'on doit connaître dans la coupe pays d'Haïti, il y a en pile gros difficulté que moun yo a fait face à qui même. Si nous ka croire moun qui en bas dans zone et Fontamara et moun qui connaît passer mes frères et sœurs amis dans zone Matissan, ça a fait quelques jours depuis monsieur ont annoncé que yo font grève pour permettre que tout moun yo capable de passer, te gagne en collaboration ou bien te relax. T'assemblé, il y a plusieurs voitures, plusieurs bus dans moment même dans parler là, c'est qu'on a bus ça yo a détourné. Ça t'a vle dit mes frères et sœurs et amis, ou camper sous FKD sous ou faire faute, t'assemblé nèg en bas dans Matissan, pas vle ba chance ak un confrère yo t'ap sorti à travers le 5 département bloqué par ISO également Chrislac depuis plus passé 2 semaines. Mesdames, mademoiselles et messieurs, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Comment nous y est-ce que nous sommes? Je reconnais déjà nos pommes, ce n'est qu'à faire cause. Quel que soit côté information, y mal cherché pour me porter le barou. Oui, bonne nouvelle pour le pays d'Haïti. Dans ce qui a passé dans le pays là, ça fait plus passer 5 années. Côté moun pa ka virer aucun côté dans pays an et aucune zone pa rete à l'abri ou passer mes frères et sœurs dans les villes de province il y a les gangs armés ou passer dans ville natale là en pile difficulté ou passer dans le sud ou passer dans le nord passer à l'ouest quel que soit côté rivé ou a rencontrer en pile difficulté ben les États-Unis d'Amérique avec le Canada de décider de camper en zo plein dingue, en zo devant, pour connaître qui ça a passé et qui ça est capable de faire. Brali pour vous, la déclaration faite par la parlementaire américaine, haïtiano-américaine, et c'est une madame qui gagne en pile intérêt dans ce qui a passé dans le pays, hein, puisque c'est une monde qui était campé en face ça et en voie de troupes dans le pays. Ça. Mesdames, messieurs, la représentante du 20e district de la Floride au Congrès américain, à savoir, mes frères et sœurs, la députée américaine d'origine haïtienne, Sheila, Madame Sheila, qui pratiquement, et c'est une monde qui est campé en face et les États-Unis et le Canada qui t'a essayé ouais, comment il t'a capable de porter une nouvelle de Kadiza pour permettre vos troupes d'entrer dans le pays. Ça. Eh bien, mes frères et sœurs et amis, il y a un gros changement qui fait. Mesdames, messieurs, donc, annonce a fait dimanche là par député américain, député américaine, non, qui c'est d'origine haïtienne. On va répéter encore cela et qui, dans une rencontre, qui rencontrait des journalistes haïtiens et aux États-Unis, parlementaire a quitté préalablement opposé à un déploiement une force étrangère en Haïti, il a affirmé qu'on a finalement commencé à comprendre plus bien cette gravité de la situation que Haïti a fait face à lui-même depuis plus passé 5 années. Et madame a affirmé que dans le week-end, il y a une réunion avec les représentants des États-Unis d'Amérique, là, aux Nations Unies, à savoir Linda Thomas Winfrey. Eh bien, mes frères et sœurs et amis, il y a des recommandations formelles qui étaient faites à l'exécutif américain dans une lettre
donc pour voyer le bali pour capable connaître et nécessairement qui ça doit être fait. C'était déclaration mes frères et sœurs, encore une fois député Sheila. Député a dit que il est favorable pour un envoi de force intervention rapide en Haïti. En vue de neutraliser les gangs armés. Et mission ça doit œuvrer dans un renforcement de la police nationale d'Haïti et faciliter la distribution l'aide humanitaire dans la coupe pays d'Haïti. Et ce ne sera pas, mes frères et sœurs, m'a répété, selon le député, c'est pas une force d'occupation. C'est premier bagage, madame Nand souligné, qui c'est représentant 20e district de la Floride. Là. Et monsieur Saha doit entrer en mesure pour protéger les vies et les biens de la population haïtienne. Selon madame Sheila Sheriffus, qui reconnaître assez souvent mission étrangère dans le pays d'Haïti, ils ont fait un pile erreur. Malheureusement, ils n'ont pas eu de bons résultats. Mais, ils croient que c'est un défi créé pour lever par rapport à la situation qui a dégringolé dans le pays. Le parlementaire là, d'origine haïtienne, il dit qu'il regrette parce qu'il y a plus de 2 millions d'enfants, Timoun, qui n'est pas capable d'aller à l'école en raison du blocage des routes par les hommes armés. Et ce qui rend, mes frères et sœurs, les enfants venus, les enfants beaucoup plus vulnérables aux activités criminelles. Ils regrettent encore parce que, notamment, il y a plus de 60% de M. Sayo qui gagnent moins de 18 l'année, plus de 60% nègres. Kembe bagay long nan men ou la, ki mouye moins que 18 ans. Ok? Et bien, elle dit, Haïti sur le point pour le venir, seul pays dans la région là qui fait face à une famine. Dans le niveau ça. En octobre dernier, mes frères et sœurs et amis, nos résolutions qui étaient introduites par les États-Unis, qui étaient allées dans l'ONU, pour être capable de voir une force, ou bien une mission non onusienne, ce n'est pas les Nations Unies qui ont voyé pour permettre que vous résoudre le problème ça dans le pays. Là. Mais la résolution ça qui n'est pas approuvée jusqu'à présent. 15 membres du Conseil de sécurité, l'ONU, aucun n'y a pas assuré le leadership là, leadership pour ça. États-Unis qui demandent au Canada pour prendre reine force ça, tête force ça. Bien rapide, mais le gouvernement Justin Trudeau il était hésité. Il peut pas jamais prendre une résolution pareille. Et madame a dit que résolution qui était supposée venir prochainement dans l'ONU ou bien avant, et bien elle connaît que vote ça Nations Unies avec tout reste mambio 15 mambio pour le goumer. Conseil de sécurité pour le goumer pour ouais. Comment vous êtes capable de pencher sur les haïtiens? Et les États-Unis finalement ont joué un terrain de tête avec le Canada pour être capable de conduire une force qui a débarqué dans le pays là en zone plein d'aigle pour être capable de jouer plusieurs, avec plusieurs autres pays tout pour venir diriger Mission Sahara qui a fait en Haïti, mes frères et sœurs amis. Et c'est ensemble de déclarations que représentant 20e district de la Floride là. Madame Saha qui expliquait qui c'est une américaine d'origine haïtienne Sheila. Donc qui pratiquement expliquait mais qui s'est passé dans le pays là. Mais qui ça s'est écrivé. Mais comment elle t'a remis par la fête. Il est à noter mes frères et sœurs et amis. Activité au page suspend courir et marcher plus dans le pays là. Puisque grand pile gros détail. En pile côté, moun toujours style pas qu'à marcher, moun style toujours pas qu'à fonctionner par rapport à la situation, la dégingolée, à la situation, les mots gommés, mesdames, messieurs. Et bien, élément ça, nous besoin yo pour capable permettre que Haïti joue une solution. N'a pas que moun nan matissant,
plusieurs bus, plusieurs chauffeurs machines pas yo suspend, yo pas suspend écrit nous pour expliquer nous pas rien vraiment qui fait sur route Matissan. Hein? Au contraire, faire plus attention parce que baga la vie pire mon bon. On allait pour une tente faire un l'île baili alors lien français n'a essayé baili en créole. En tant que principale association entreprise et entrepreneur d'Haïti, nous profondément préoccupés et par persistance crise plusieurs dimensions qui a mette dey nan mitan fami ayisyen yo. La nou antre direktman nan kriz politik la. Mm-hmm. Dak sfisye, ou di men skapè, tou fe ekonomi nasyonal lan, epi ren pi pov gred majorite konsitwayen yo. Nou lanse yon apel urjan ak akte nan peyi nou, pou yo kapab rezoud diferan yo, san dele, et puis signer un accord politique qui établit un gouvernement d'unité nationale qui a gagné pour efforcer pour capable inclure plus grand nombre que possible d'acteurs avec une feuille de route claire qui a gagné pour mener dans prochaine élection honnête, transparente et puis équitable dans un délai raisonnable. Ouais parti ça. L'heure ouais parti ça. C'est tellement important. Sous fin li tout ou gen doit oublier. Parce que dans débat on va faire. Ou pas oublier pour ou pas oublier pour li. Ouais parti ça, élection libre pour notre démocratie. Ouais, li gen pile importance. Ça t'a veut dire c'est pour moi-même, on fait interprétation, nous même la fait lettre. Faut de ça t'a veut dire secteur privé a réussi mettre tête leader. Après que yo fin accusé nan mitan yo de moun ki nan trafic drogue nan trafic zam voilà k ap financer gang yo resi met tèt yo jodi a yo di yo reconnaît yo responsable ouais premier parti a yo reconnaît yo responsable gardé jodi pour ka kore maintenant yo di yo responsable yo font rassemblement entre yo même yo gen l'autre secteur yo pral checker pour yo et là jeune blanc tout avant ouais ça c'est notre oui ça. Non mais il y a m'a chargé nous m'a chargé nous oui, jeune blanc mais tête note là pral dit comment blanc attendez non banan là ben non ou quand faut il encore tête note là montre que yo même yo plus pressé que blanc oui comprenez il y a jeune blanc. On a jeune blanc, il y a le monde blanc dit ben banan même banan des autres non banan l'obey non. Mm-hmm. Donc ouais. Puisque intérêt pigou intérêt c'est dans faire élection. Et la décision prend dans tête note là, c'est eux même qui plus démocrate que tout le monde. Correct. C'est eux même qui responsable question démocratie dans pays. Correct. Parce que non seulement yo dou kounya mais ça fait y a mettre mais avec monde dans l'autre monde mais yo dou pour faire élection mais pour faire élection faut comprendre tout c'est dans élection pigou intérêt c'est là pour y a discuter si on tout kembe le comme ça il y a pas baoul correct comprendre ça me dit là correct ça veut dire que comprendre oui je fais pas depuis notre tête là yo tout démontre question élection ça fait pas il y a prend la main pas connaît le deuxième paragraphe là on dit l'heure est grave l'heure est grave après une année et nation li pas capable encore li pas ca tonne encore et nous mêmes qui signé notre ça nous prend engagement solennel pour nous capable soutenir à cause ça que accord politique ça yo parlé a et pour accompagner la mise en œuvre de yon réforme qui capable établir de nouvelles règles de conduite de politique là et des affaires c'est-à-dire business pays et des institutions qui seront créées pour atteindre l'objectif visé. Donc bon ça j'avais dit que si yon même qui secteur privé économique dans pays yon get a foure puis yon jet là place blanc va bien venir quoi. Non mais c'est blanc voyé yo. Comprends. Il y a douleur grave. Là pas de jambe grave. Tout le monde te dit bagarre la grave. Tout le monde. Pendant que grave pour elle parce que ça. Il y a pas de jambe occupé personne. Mais quand il y a aujourd'hui, yo dit bon, n'a mettre tête ensemble, n'a pas si n'a pas la pour élection. Et puis il y a douleur grave. Nous pas sous bail. Depuis Lambert, sénateur Lambert, président Lambert, Yuri la tortue.
yo fin blanc li même font façon pour comment ka neutraliser monsieur, mettre monsieur sous côté. Nous pas comme politique là. Nous pas comme si pas et comme si pas gagne pas gagne leader politique même. Donc c'est comme si c'est nèg ça que yo blanc vin comme si prend nèg ça comme des alors Omi et Moïse Jean-Charles qui est toujours sous béton. Oui non ça ouais, qui non, mais, sous béton. Mais blanc gagne l'autre la parole avec pas j'aime camper. Voilà. Blanc gagne l'autre la dit monsieur, yo pas dit nous pas faire comme. Écoutez, ça n'a fait c'est pas business lié. Li pas bon. Tout ça blanc te dit yo pas j'aime camper. Mais je dis à combien dit OK, bon mettre gaz qu'on y a, bon peser gaz sur Ananifa ou bien ou même qui toujours dans route yo express ou bagaille. Sou nèg yo qu'on y a nèg yo vinn freiner blanc. Ouais. Comprends ça Abdoula? Position gain là, c'est freiner. Position là on parle de position, Joseph Lambert est gain sur question occupation du territoire. Ouais. Joseph Lambert était lui-même te prend en position côté il dit, il pas d'accord avec question occupation du territoire. Mais il n'y a pas de problème parce que il y a une force multinationale qui vient accompagner la police nationale pour capable eh ben déchouquer bandits dans le pays. Maintenant ça cette assemblée bah ça emmerde blanc. Ah, écoutez, où est ça? Il y a la même position. Son malheur lié. Où est ça? Son malheur lié. Parce que est-ce que vraiment est-ce qu'on croit monsieur ça a dit là il a fait. Là on parle du monsieur secteur privé. Oui. Est-ce que y a fait ouvrir? Est-ce que y a café? Oui, au café parce que c'est eux-mêmes qui ont monopole économique là dans main. Correct. Mais écoutez, en Haïti, moi regrette ça m'abdil. C'est politicien qui responsable ça qui passe. Mais pas politicien, c'est pas politicien qui j'aime qui j'aime commande, qui j'aime gain commande. Ouais. Est-ce que ça ouais ça me le dit politicien politique là dans main. Mais vrai monde qui reste sa politique. C'est l'économie. C'est ça. C'est ça, le doula. Correct. Non, ou correct, ou permanent. Écoutez, la sortie on fait là. Monsieur, nous-mêmes, nous avons dit. Les banes qui sorti. C'est pas n'importe qui sorti. Et sorti ça. Sorti planifié. Je pense que planifié, mais capable au pouvoir pour bloquer blanc. Sous direction blanc t'as pris. Non, direction blanc t'as pris, son menace lié. Comprenez ça me le dit où? Son pression, son pression. Non, blanc bah ouais. Nous allons le retenir. Blanc demande alors pour moi-même, Alors on va pas finir de dire blanc bah ouais non. Mais pour moi-même c'est que blanc est longtemps l'a demandé. Ça, il y a pas de jump fell. Oui, oui. Mais blanc dérapé. Pour moi-même c'est freiner ou une freiner. Blanc pour prendre la main. Pour faire la face, on pas. C'est ça me comprend. Bon, puis c'est secteur économique là quand même, c'est lui qui vient voir politique là en Haïti en Allemagne. Alors on dit jodi a nous mettez fin à quand pile division qui était qu'on séparer nous. Bon, ça est là, il a parlé de tête yo. Bon. Yo mettez fin. Dit bon dit Jean l'écrivain, you know gros victime division c'est Jovenel. Peuple haïtien. Dit aujourd'hui, Peuple haïtien. Mais à peine saute you know moun qui victime de division parce que Michel Balanté la donne. Oui, président Jovenel. Jovenel pensait businessman gain problème avec businessman, c'est pas jambre. Il pensait 100 000. Il y a goumé pour plus avantage. Correct. Aïe. Bien m'a parlé. Mais Jovenel t'es venu penser il gagne des trois namel. Et puis chaque soir, il y a réuni ensemble sous tête Michel. Il dit jodi a nous mettez fin à gros division qui était qu'on séparer nous dans secteur privé a et lancer une alliance qui pas jamais qu'on fait pour changement. Bon. Nous engager pour nous prendre mezi ça yo, mezi concrète ça yo. Qui me dit yo intérêt au menacer tout. Qui me dit yo premièrement parce que peuple là les peuple là mauvais tout mauvais. La bataille qui secteur privé enragé. Qui me dit yo premièrement lancer un programme immédiat sans perdre de temps et intensif de réforme de pratiques commerciales. C'est-à-dire pour gens pratiques commerciales qui étaient fait yo peser sous ces choses ça. Lancer ça vrai. Lancer un programme sans perdre de temps intensif de réforme des pratiques commerciales internes pour capable promouvoir transparence, concurrence loyale, attendez bien, pour promouvoir, c'est-à-dire pour faire promotion, pour transparence, pour concurrence loyale, bel mot,
et strict respect normes éthiques et juridiques qui doit guider toute activité économique dans yon Haïti démocratique, paisible et stable. Nous pral développer un code de conduite publique privée pour assurer transparence dans pratique concurrentielle yo. Dans collecte et utilisation nationale rationnelle et transparente dans fonds publics yo. Bon moi prend partie ça pour nous. Nous pral développer un code de conduite publique privée pour assurer transparence dans pratique concurrentielle, c'est-à-dire dans pratique gon code qui pral yo pral adopter là, yo pral mettre sous pied, yo pral développer un code de conduite public privé correct sous façon que ayo tout dou que yo va payer on a été de on a payer DGI pour capable assurer transparence dans pratique gens yo fait concurrence dans collecte et utilisation rationnelle et transparence fonds publics pendant y a exiger l'application stricte de la loi pour capable lutter contre la corruption et l'impunité. Ça c'est premier et mesure que yo annoncé yo pral prendre. Ouais mesure ça seulement. Ouais mesure ça seulement t'es arrangé toute bagaille. Si c'était vrai monsieur t'es ka fèl, si c'était vrai, yo vle fèl. Ouais mesure ça seulement. José dit là encore mesure ça. De mais premier mesure yo dit yo pral prendre. C'est lancer un programme immédiat sans perdre de temps intensif pour de réformes de pratiques commerciales internes pour promouvoir la transparence, la concurrence loyale, très important, et le strict respect des normes éthiques et juridiques qui doit guider toute activité économique dans un Haïti démocratique, paisible et stable. Nous pral développer un code de conduite publique privé pour assurer transparence dans pratique concurrentielle, collecter et utiliser collecte et l'utilisation rationnelle et transparente des fonds publics tout en exigeant l'application stricte de la loi pour capable lutter contre la corruption et l'impunité. Ça c'est premier mesure. L'application stricte de la loi. pour lutter contre la corruption et l'impunité. Et n'a pas appelé et qui joue pendant semaine qui se passe ou bien vendredi ou bien pendant week-end en bas songe non. Moi c'était journée et international contre la corruption. Deuxième mesure que nèg yo di yo pral messieurs dames yo di yo pral adopter, yo pral prendre. Coopérer avec une administration transitoire. Un consensus pour capable élaborer et présenter une feuille de route politique, humanitaire et économique vers une nouvelle Haïti, y compris l'élaboration de un plan stratégique de développement économique et social qui porte le nom FSDES. Pour attirer investissement direct étranger et national, créer emploi et richesse durable, restaurer services de base de qualité et à toute couche dans population et pour capable rebali espoir en particulier à jeunes nouveaux parti qui t'es pays. Yo reconnaître c'est yo qui t'es bloqué tout espoir mais ou est là yo reconnaissez yo qui t'es bloqué tout espoir ouais bien matin on va parler ouais nous allons pour troisième mesure mais monsieur yo connaît yo qu'a fait bagaille ça yo gain possibilité pour faire donc yo tout connaît c'est yo qui t'es bloqué c'est eux même qui met pays là troisième mesure que vous allez prendre, c'est contribuer à soutenir les réformes importantes dans institutions publiques, afin que loyaux et règlements yo capable faire, yo capable
faites pour fonctionner, alors pour bon fonctionnement économie, soit fondamentalement modifiées pour promouvoir la liberté d'entreprise. Alors la libre entreprise, la concurrence juste et équitable, ouais. Il faut que beaucoup de concurrence soit faite à travers tout l'autre pays, ouais. Qui pas de jambes qu'on fait dans le pays. Concurrence équitable, investissement direct, compétitivité, inclusion sociale mais et croissance économique. Allez là. Ouais, mais j'ai bloqué tout. C'est eux-mêmes qui bloquaient tout. Ouais, si vous regardez. Tout le monde qui veut qu'on ne va pas venir en compétition avec eux. Eux-mêmes qui bloquaient tout. On a vous des derniers mesures. L'autre mesure que vous comptez prendre, vous allez engager avec alors avec retour stabilité politique et la sécurité et l'implémentation du PSD alors PSDES par l'État. Financer gang moi c'est normal. À investir dans les collectivités pour créer des emplois durables et améliorer les conditions de vie notamment dans zone qui pi touché par effet ça ne les crimes organisés. C'est-à-dire ça ne parle là zone ça là parler des zones cité soleil par exemple Gravine Matissan est-ce que c'est zone ça ou mettre dans chaque grande ville chaque grande ville qui gagne ghetto en fait en dehors nous parler de ghetto oui la fossette et ouais tout côté ça yo barrière bouteille tout côté tout côté et sur le port de paix ou en parlant ou avec route. En tout cas, Wallonse de côté. Voilà. Yo dit tout, n'a demandé également à la communauté internationale là pour capable établir un nouveau partenariat gagnant-gagnant. C'est-à-dire tout le monde joigne. Ouais, gagnant-gagnant. Win-win. Et win-win. À long terme, avec les institutions publiques et privées haïtiennes engagé dans cet effort. C'est-à-dire tout le monde qui est engagé dans l'effort ça, groupe ça qui signe et notre ça et avec l'État, ouais. Voilà. Et puis pour aider à attirer des investissements directs et fournir des ressources dans un nouveau paradigme de coopération au développement durable. Monsieur, n'ayez compte tout ça. Non, mais c'est ça qui fait écrit toute belle française. Ouais, c'est eux-mêmes qui bloquent tout. Nèg qui vient à un bon projet sur le bord, ou qui vient faire là, ou un bon corbeau. On est qui fait 20 ans ou fait 30 ans aux États-Unis, nèg là travaille, il met l'argent de côté. L'argent ça pas un mail. Nèg là retired border, il gagne $500,000 américains. C'est pas plus. Nèg la décide retourner la caille vin investir comme ça. Là ou bloquer tout bail ça. De pour venir ici ou pas ka un ministre, ou pas ka un premier ministre, ou pas ka sourire ouais président bien accueilli bail là tout dépend de monde là et puis tout reste bagay la bloqué. Entend. Et là elle fout point et tout. Ou elle fait point et puis nèg yo dit nous pral descendre point. Alors pour monde qui dit gien quelque là d'occupé pas haïtien mais ça ou dit là. Ou dit en tant qu'haïtien ensemble des monde qui signe notre temps. Nous rester attachés à la pleine indépendance de République Payoa. Haïti. Ouais, Haïti. En tant qu'haïtien, yo rete attaché à sacrer pleine indépendance pays. Mais nous déplorons, c'est moun ça son moun qui sérieux en pile qu'après les mkonya là. Je viens m'a te dire. Nous déplorons également la violence qui tient actuellement en otage notre économie et nos communautés. Premier bagage violence. Dit là, mais nous déplorons. Premier bagage violence, il grand boulier. Oui. Premier bagage violence. Non mais il va connaître déplorer violence. Nous déplorons et violence qui gagne. Ah ouais, alors qu'a fait là qui kembe économie à communauté yo en otage. C'est pour ça. Nous mander en toute urgence, à gouvernement et à communauté internationale là pour agir kounya pour soutenir et puis protéger ça créer la libre circulation de tout le monde avec tout bien à travers pays. Libre circulation, il dit dollar tout.
Non, non, bien dit bien. La libre circulation des personnes et des biens à travers tout pays, c'est ça yo mandé. Et pour protéger toute famille haïtienne yo, en particulier si la yo qui dans région qui pi pauvre yo. Ouais. Et agriculteur yo qui dépend en grande partie de économie. Moment vini, moment arrivé pour faire preuve de réalisme patriotique les familles. Moi alors, les moyens de subsistance et les services locaux doivent être sécurisés. Hein, tout moyen de subsistance avec service localio doit sécuriser avant tout pour capable engendrer tout espoir de changement structurel à long terme. Nous saluer courage à la police nationale d'Haïti et mander yon aide à long terme pour capable renforcer capacité à fournir service national à moun ki plus nan besoin yo. Nous considérons également que le lycée yon alors qu'il s'agit d'un moment critique de choix et d'opportunité pour tout haïtien pour yo capable jouer yon rôle nan transformation pays a nan intérieur alors à l'intérieur du pays et dans notre diaspora talentueuse et capable. Donc il m'a dit là, il considérait que c'est un moment qui critique côté que tout petit pays doit porter coller que moun kap viv nan pays an, que si la ou kap viv à l'étranger dans diaspora pour porter coller pour nous capable et ben sorti pays an. Alors tout moun sa yo capable jouer un rôle dans transformation Haïti ça que n'a parlé a. Souveraineté nationale que nous souhaiter à tout le monde. Côté nous capables vivre ensemble en toute sécurité et résoudre différents différents nous, c'est-à-dire problèmes nous sans violence. Côté que tout citoyen haïtien capable partager avantage de sacrer la libre entreprise et de bon garder moi parce que c'était photo le tayé nous aller dans l'autre là et de l'investissement côté que la fuite de cerveau c'est-à-dire jeune garçon avec jeune femme qui formé dans pays qui a quitté pays qui capable rester dans pays pour servir et servir à capacité yo pour capable servir pays. Qui ça yo dit encore yo dit aïe aïe aïe. OK, tout moun sa yo ki la kayo ki gen capacité ki kap kite peyi an pou yo kapab santi yo la kayo pou yo kapab travay pour bénéfice peyi. Les haïtiens, alors tout haïtien yo besoin de yon transition politique urgent. Ouais, haïtien yo besoin yon transition politique urgent. Yon nouvelle vision économique et yon sécurité pour permettre que qui capable permettre ça. Donc c'est sécurité qui pour bail et yon nouvelle vision économique et puis yon transition politique urgente. En tant que représentant secteur privé, nous engager nous pour nous capable faire de pour nous capable faire tout ça qui dépend de nous pour que ceci soit alors pour capable c'est dernière transition politique que pays d'Haïti connaît. Oh, ça même son Jovenel, lui. Et que ce recours à l'assistance sécuritaire extérieure soit le dernier de notre histoire. Pour ces dernières fois que Tonton Blanc avec botte, avec zam, pilé, t'es national là, selon moun qui s'y est, notre si là, nous fait pour nous capables, pour faire rupture avec le passé et marquer le début d'une ère nouvelle et plus radieuse. Mon qui signe notre ça, c'est Laurent Cécile, Chambre de commerce et d'industrie de l'Ouest, CCIO, et Willem Lank, Association des industries d'Haïti, a dit,
Et Raina Forbin, qui c'est Association Touristique d'Haïti, ATH, qui est encore. Et Odi Dib, alors P O Edi Dib, DK Group, Joël Bonfil, A-Track, Harold Marzuka Junior, groupe PHHM, P/O, Ruven Bidjo, GB Group, Philippe Coles, Coles, Group Coles, qui est encore, Olivier Barrault, Alternative Insurance Company, AIC, Alain Bayard, Access Haïti, Roger Carrier, et Palm Apparel Group, Christopher Andal, MSC Group, Thierry Moïse, Alipro SA, Hans Rémy, WoW SA, Christian Maton, c'est Matpar, et puis Vic Saliba 3, qui c'est Inoto SA, gagne toujours. Jean-Philippe Boisson, Chambre de commerce américaine d'Haïti, AMCHAM. Michel Moura, Chambre de commerce et de l'industrie haïtiano-canadienne, CCIHC. Geoffrey Andal, Amar. Edouard Bossan, regroupement patronal haïtien. Fritz Meuse, Association des ports d'Haïti. C'est tout le monde qui mettait signatio en bas note si là. Et depuis m'après l'autre aller, m'après l'autre aller. Oui, on a prené sur sujet ça et n'a gagné pour nous font parler avec Anel député Anel Bélizère. Monsieur, Anel Bélizère. Oui. M'après l'autre aller, député Anel Bélizère. Bon, quelle impression les a eu? Bon, moi-même et m'ta préféré prendre député Anel avant de mettre une opinion. Bon, en tout cas, moi n'a pas un député. N'a pas député Anel Bélizère. Nous allons parler avec député Anel Bélizère. Mais sauf que moi-même trouvé là grand pile bagaille. Grand pile bagaille qui dit là, on prend comme des aveux. Des aveux. M'après le coup